Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie de Twilight Princess. Et aujourd'hui, on va se rendre dans le désert. Pas mince de spoiler. Courage, courage. Il n'y a pas de désert ici. On est dans le lac. Il fait beau. C'est comme les gens qui disent arrêtez de spoiler dans les miniatures. Personne ne voit les miniatures, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça, le spoil dans la miniature? Ça existe pas. C'est pas le spoil dans la miniature. Oh mince, dans la miniature finale, vous avez... Mais il m'a pas touché, j'étais super loin. Dans la miniature de la dernière partie, vous avez montré le boss final. Ah bah zut, on s'y attendait. Mince. Allez, hop, j'ai récupéré la baballe. Bravo, yeah. Bravo. Elle est toute rouge. J'espère que tu l'aimes bien, cette baballe. Malheureusement, Midona, je suis désolée. Je vais redevenir humain. Parce que Okarilou ne saura jamais le plaisir de grimper les échelles. Mais non, mais lui, il peut tricher. Enfin, on dit pas ne saura, mais même ne connaîtra jamais. Il peut tricher, il volera avec le quoi du moon jump. Et... Il n'a pas besoin de grimper les échelles, le Linglou. Il est trop fort pour ça. Ah, on voit la lune et les étoiles. C'est magnifique. Elle est cachée, la lune. Ah, regarde, on a un vieux. Je pensais que vous ne tarderiez pas à faire votre apparition. Vous êtes le sieur Okari, c'est bien cela. Moi, je pensais qu'il a utilisé sa loupe pour nous regarder. Vous connaissez déjà Dame Thelma. Permettez à l'humble serviteur courbé par les ans que je suis de se présenter. Je me nomme La Frêle. C'est par Dame Thelma que j'ai oui de vos exploits. À mes yeux, il ne fait aucun doute qu'un jeune homme aussi preux ne vienne s'enquérir des anomalies de ce désert. Tu vois, j'avais raison. Oui, effectivement, la dame qui vous accompagne ne s'est pas trompée. Le sauriez-vous? Il y avait autrefois dans ce désert une prison où étaient conduits les plus ignomieux criminels afin d'y être exécutés. Ces criminels condamnés étaient envoyés directement par l'autre monde par le biais d'un miroir maudit. Cette prison est maintenant fermée à tous, et le chemin qui mène au désert l'est tout autant. Dans ce désert, à l'écart du monde, languit la malice des âmes prises par le miroir. Nous pouvons douter d'un lien entre ce désert et les funestes événements qui frappent Hyrule. Je suis venu en quête d'informations. Sieur Okari, si je puis, quelles sont vos intentions? Comptez-vous vous rendre au cœur de ce désert afin de tirer cette énigme au clair? Oh, je comprends. Vous pouvez compter sur moi pour vous offrir toute l'aide que ces vieux os pourront fournir. Vous voyez le lac qu'il y a en dessous de nous? Il s'y trouve un parc d'amusement tenu par un dénommé Toby. Remettez-lui ceci. La note de la frêle, elle est trop bien! Trop bien écrite, il y en a trois en plus. Je sais pas si on peut les lire. Je crois pas. Il se trouve que je fus d'un certain secours au dénommé Toby. Cette dette ne me fait dire qu'il ne saurait me refuser un service. Pour le reste, remettez-vous-en à lui. Il devrait savoir quoi faire. Oh, pendant ce temps, moi, je vais contempler encore et encore ce magnifique désert. Ah, oh, je suis déçu, je pensais que... N'est-il pas beau? Je pouvais me monter moi-même. Allez, je vais redevenir un loup. Quel pressé tu fais? Ouh. Par contre, je vais avoir un problème si je reste un loup. On peut même dire quelle impatience. Bah ouais, tu vas faire peur à Toby. Mais non, t'inquiète, regarde une île. Je vais me cacher dans les arbres. T'inquiète, hein, Toby, il voit partout, hein. Tu te souviens pas des regarde, là, je suis caché. Bon, ça va, t'as eu de la chance, il ne t'a pas vu. Il regardait de l'autre côté à ce moment-là. Mais Toby, il a une vue perçante, il voit les monstres. Non, mais t'inquiète pas, moi je suis caché, je suis vert, je suis dans l'herbe, tu vois. Camouflage parfait. Mais ouais, mais t'étais pas vert en loup. Ah, mais ça, tu le sais pas. Ou alors, je sais pas regarder les couleurs, c'est peut-être vrai. Peut-être que je récupère ça. Oh là là, elle veut le découper. Je le menace. Eh, t'es revenu, mon petit gars. Et alors, petit gars, ça t'a plu? Vraiment palpitant, hein? Une attraction fabuleuse qui te fait découvrir, hein? Blablabla, tel oiseau majestueux, tu sais, cette attraction peut être tienne, hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Non! Non, mais comment tu rates quelque chose d'incroyable? Je suis sûr que ça te plairait. Moi, j'ai mieux. Ta 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 ta. Ça ne sert à rien ici. Quoi, ça marche pas comme ça? Si, normalement, c'est ça, un truc comme ça. Ah bah voilà! J'étais mal mise. Oh, mais ça vient du vieux, ça! Il a mangé le papier, je crois. Miam. La tuile, hein, le vieux n'est pas du genre à rigoler quand on l'envoie balader. Le vol oasis, c'est ça. Enfin, c'est pas comme si j'avais le choix, je te prépare le menu spécial. Cette fois, tu auras le droit à un vol gratuit, juste cette fois, compris? Alors, tu vas tout de suite? Ah bon, juste cette fois? D'accord, mais le vol à l'œil, c'est juste pour cette fois, compris? Non. Allez, petit gars, en canon et un vol oasis, hein, si monsieur veut bien se donner la peine. Dépêche-toi de partir, moi je suis pressé. Go, go, go! Hein, si monsieur veut bien se donner la peine, il va voir les kebabas. Quelle chance qu'il a! Le bon monsieur, il va aller dans le désert. Allez, un vol oasis, hein! Peut-être qu'il va le voir des Gerudo. Ah, mais non, les Gerudo ça n'existe plus. Elles sont toutes mortes, les pauvres. Youhou! C'est quand même super dangereux comme truc.
Mais non, regarde, tu vois, ça respecte les normes de sécurité, je suis arrivé sain et sauf, sans aucun problème. T'es arrivé comme ça d'ailleurs, hein? Oui, non, mais je suis atterri. J'ai atterri, Je pardon. suis atterri. Je Bonjour atterri, suis. Hashtag je Amdad. suis atterri. Okari, attends! Avant de continuer, j'ai quelque chose à te dire. Regarde, elle fait la timide! Tu te souviens de ce qu'a dit l'esprit à propos du cristal d'ombre? Elle fait la timide, elle va dire. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de mon bento? Ceux qui ont essayé de s'emparer de la terre sacrée, que crois-tu qu'il leur est arrivé? Ils ont été bannis. Très beau bras de Link. Les déesses les ont envoyés en exil dans un autre monde. Quoi, tu vois pas Midona comme ça? C'est un monde complètement différent. Un monde sombre, à l'opposité de votre Hyrule, où la lumière est partout. Elle parle de l'Orule? Ce monde complètement coupé de la lumière est appelé Crépuscule. Ah bah j'ai perdu. Dommage, dommage. Et de ceux qui tombaient dans ce monde des ombres, nul ne pouvait revenir. C'est parce qu'ils pouvaient pas se transformer en papier. Ils ont été condamnés à vivre dans le Crépuscule éternel. Dans ce monde qui n'est rien d'autre qu'une ombre d'Hyrule. Magnifique plan sur cette tour, merci Midona. C'est l'histoire du peuple des ombres, de notre peuple, telle que nous la passons de génération en génération. As-tu compris maintenant ce que je suis? Bah tu es une enfant de quelqu'un qui a été banni. Je suis une des descendantes de ce peuple expulsé du monde de la lumière par les déesses et jetée dans celui des ombres. Tu sais bien ce que je viens de dire. Une fille qui fait des bento? Ah oh non, ça après les bento. Mais Xanto s'est emparé du pouvoir et il a transformé les habitants du crépuscule en créatures des ombres. Oh, ça veut dire que depuis le début du jeu, on tue oui. des amis de Midona en oui. fait. Y a pas de problème. Oh les pauvres, je suis désolée, mais c'était pour le bien des téléporteurs. Sauf les oiseaux. Oh purée, les chaussures de Xanto. Regarde, il a encore crié quand il a chanté. J'ignore comment il a fait, mais il est entré en possession d'une magie très puissante, différente de celle du peuple des ombres. Maintenant, il nous est impossible de rentrer dans le crépuscule sans son pouvoir. Quelle tristesse. Mais il existe une autre légende racontée par mon peuple. Bien que les déesses nous aient interdit de retourner dans le monde de la lumière, elles ont laissé une porte entre lumière et ombre. Tu te rends compte qu'Okari il a pas bougé pendant toute la cinématique, il est comme ça? Il est très attentif et concentré, laisse-le. La clé qui ouvre cette porte s'appelle le miroir des ombres. Il a été confié au protecteur d'Hyrule. Avec le miroir, nous pouvons entrer dans le crépuscule et Xanto se trouve certainement là-bas. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? Regarde, il sourit le petit Okari. Bah oui, je vais venir. Il a rien compris. Même si ça me... Ça... Bah non, oui, non, mais maintenant, il a plus rien à faire, vu qu'il a retrouvé Iria, donc du coup... Non, il va sauver le monde. Allez, ouf. On est parti dans le désert, c'est trop bien. Il se passe rien, là-bas. Une petite guitare, tu vois. J'avance au hasard. Non, je rigole, j'avance pas au hasard, mais... Ah ouais, il faut que t'ailles devant, là, droit devant, tu vois, il y a un truc. Oui, je sais. Tu vois, faut que t'y ailles. Mais si tu le sais, c'est bon. Attention, tu vas te faire poursuivre par les petits machins, les petits vers de terre. Pas de Delex qui vont me manger. Non, mais c'est pas des Delex, c'est mieux que des Delex. Ah, si, c'est mieux, alors, tant mieux. Oh, t'as failli tomber dans un trou. Mais non, qu'est-ce que tu crois? Ça aurait été marrant si t'étais tombé dans le trou. Il aurait pas sauté? Bah, si. Bah, je serais pas tombé. Ah, il y a un insecte aussi, je crois, quelque part là. Mais il était dans le trou en fait. Mais je sais plus. Non, mais j'entends bruit. Mais je sais plus si on peut le voir que la nuit. Non, mais tu confonds avec le bruit du truc. Mais il est dans le trou en fait. Il y a une crevasse là et tu dois aller dans la crevasse. Pas bailler Midona, c'est pas grave. Je pense que je peux pas. Regarde. Mais attends, il faisait nuit, pourquoi il fait jour? Il va refaire nuit. J'aime pas cette caméra, tu peux pas. Ah voilà. Ouais, j'ai pas entendu. Tant pis. Bon. On ira plus tard. C'est pas grave. Alors, du coup, je peux pas monter en. Ah bah non, tu peux pas monter en loup. Sauf si tu utilises le moon jump. Oh, c'est trop nul alors. Oh bah déjà, t'as déjà le grappin activé et tout, c'est trop bien. Bah attends, je suis prête moi. Puis tu crois. D'ailleurs, t'as que le grappin donc. Oui, non, mais c'est parce que ma lettre elle s'est fait manger. Attends, il est où l'ananas volant? Ah voilà. Pihat, viens là. Rends compte que les Pihat dans Twilight Princess ils sont super gentils. Allez, lâche-moi. Oh bah mince, oh, je vais devoir tuer encore des copains de Midona.
C'est pas grave, Midona, ça a pas l'air de trop la déranger. C'était pas ses amis, en fait. C'était pas ses amis, c'était... Elle avait pas d'amis, en fait, Midona. Mais si, mais c'est pas ses amis, c'est, tu sais, c'est ceux qui l'embêtaient à l'école. Oh. Non, pas toi, vite. Bah oui, mais j'ai raté. Hein. Je suis pas très doué avec ça. Tu meurs. Voilà. Et vous, faites... Non, c'est pas le moment, Gary. Mais fais une attaque tornade, bon sang. Oh bah ça va, hein. Il a attendu avant de chanter, il s'est dit bon attends, il est en train de faire des trucs, on va le laisser tranquille. C'est bon, j'ai plus besoin de faire de vol oasis. Oh, j'ai cru que c'était des rubis rouges, mais ce sont juste des cœurs. C'est pratique, hein, la vie. N'est-ce pas? Bon, il y a quelque chose là-haut. Ouais, il y a un morceau de pierre, je me demande bien ce qu'on peut faire de ce morceau de pierre. Hé, hey, Midona, tu veux pas le prendre? C'est quoi ce truc? On le téléporte. Moi je sais ce qu'on va en faire. Je veux parler avec toi. C'est ce téléporteur là, hein. Non. C'est lui alors? Oui. Oh mais tu vois c'est à côté. Oui. Et hop, transformation gratuite en loup en plus. Quelle chance. Allez c'est parti. Regarde la méditation de Midona là. Tant. Faut que je me repère sur la carte. Non, moi je me souviens pas de ce pilier. C'est quoi ce pilier? Qui se souvient du pilier? C'est les 4 piliers de la foi. C'est pas un pilier. Oh, regarde comment elle est forte, Midona. Regarde comment elle atterrit sur Okari juste. Elle a rebondi sur moi juste pour prendre de l'envol. C'est pas très gentil. Elle est pas très gentille, Midona, finalement. Ça, on le savait déjà. On retire tout ce qu'on a dit là. Elle a jamais eu l'intention de préparer un bento à Okari. Elle faisait genre la timide, mais c'est tout quoi. Et voilà, il est réparé, trop bien. On a même pas besoin de faire des fondations, ça tient. Très bien. Puis on va dessus, on a pas peur. Youpi! Bah c'est pour montrer aux gens que c'est bon, tu vois. Bon, je suppose que ça sert à rien que je reste là. Oui, c'était juste pour créer le passage. Maintenant que t'as créé le passage, c'est bon. Allez, je vais me téléporter. De l'autre côté du crâne. Oui. Tu vois, ça s'appelle le désert Gerudo en plus. Bah oui, mais bon, ça n'a le désert Gerudo que le nom. Les fourmis Gerudo, hein. Ah, les fourmis Gerudo. Non, mais les fourmis Gerudo, c'est dans le passé, ça. Elles sont toutes mortes. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelait les fourmis Gerudo alors que... Bon, rip les insectes. Non, c'est pas utile que t'ailles là maintenant. Oh, c'est dommage. Parce que tu peux pas finir ici. Ouais, je sais. Mais c'était marrant. On ira par là à la fin du jeu, c'est ça? C'est assez à peu près ça, ouais. Allez, c'est parti. Ouch. Non, t'as pas eu mal, hein. Arrête de faire semblant. Oh. T'es pas une joueuse de foot. Mais y'a vraiment pas d'insectes. Bah peut-être qu'ils apparaissent que la nuit, je sais plus, mais y'a un truc comme ça, hein. Il y a un coffre. Mais t'inquiète, tu peux pas aller chercher encore. Non mais je sais pourquoi. Arrête d'être impatient. Bon, de toute façon, j'irai voir là plus tard, puisque de toute façon, il faudrait que j'y retourne plus tard. Voilà, attention. Mais non. Les vers de sable, ils te courent après. Rien du tout, qu'est-ce que tu racontes? Tu connais pas les vers de sable, ils sont très dangereux. Faut qu'il écoute là. Faut qu'il écoute. Je peux les casser avec ma tête. Mais non, tu peux pas. Il faut quelque chose de plus puissant qu'un loup. Comme par exemple un cochon. Ouais, je sais qu'il me faut un cochon. Je sais plus où il est leur. Non, mais t'inquiète, t'as même pas besoin de le casser. Mais non, c'est de là où tu viens. Oui, j'allais dire. T'inquiète, t'as pas besoin de le casser, hein. Tu peux tourner autour. Oh bah alors, à quoi elle sert cette barrière, franchement? Je suis un peu déçu là. Je m'attendais vraiment à quelque chose. Mais pourquoi il fait jour? Moi, je préfère venir ici la nuit. Oh mon dieu, on a vu un loup, vite, il faut aller le casser. Oh, alors il pense que c'est le dîner, peut-être, je ne sais pas. Bah, si je les affronte en loup, j'ai pas peur. Non, c'est pas ce bouton là, c'est B. C'est pas B. Mais il t'a shooté dedans. Mais si, c'est B pour attaquer. Oh, mais attendez, je vais faire un truc cool. Oh là, mais 4 d'un coup. Il n'y avait pas 4. En un seul, si, il y en a 4. Attends, il est mort le cochon. Mais non, il est fatigué, il se repose, tu vois. Est-ce que je peux aller dessus? Mais oui, tu peux aller dessus si tu veux. C'est pas un cochon, c'est un facochère d'ailleurs. Join me, Link. Go. Alors faut bien viser parce que je vise très bien comme vous pouvez constater. Et c'est bien droit devant en plus, parfait. Mais pourquoi tu veux aller casser cette porte? Wouhou! Bon, j'ai dévié ma trajectoire, parce que... Pour montrer la puissance de mon facochère, allez go! Yay! Mais attends, elle a coûté cher cette porte! Pas grave, allez on retourne en arrière facochère. Parce que c'est pas du tout là qu'on doit aller. Ça c'est juste pour épater les amis. Tu veux plus que je vienne sur toi? Mais il est mal à la tête. Ah ok. Oui, il. J'avais pas vu qu'il était... Il est mal à la tête. C'est une femelle, qu'est-ce que tu racontes? Bonjour, mal à la tête. Tu peux avancer? Pourquoi tu m'as fait descendre? Parce que tu cours pas. Regarde son pauvre ami là-bas. Il regarde. T'inquiète, il va se débrouiller tout seul, son ami.
Il a faim maintenant. Allez, on accélère. Est-ce que tu vas tuer le bonhomme qui est là-haut, qui tire des flèches? Non. Non, tu vas le laisser tranquille. Oui, de toute façon, je suis pas visé. Comment il va descendre? Pourquoi ça brille là-bas derrière? Où est-ce que ça brille? Derrière. Oh, c'est trop loin derrière, moi je peux pas voir. Go, go. Alors, t'as même pas besoin d'utiliser les fois cochères, puisque tu peux passer à juste à droite, je crois, ou à gauche, je sais plus. C'est pas grave, c'était plus cool d'entrer comme ça. Et oublie pas qui tu es. Faut aller à gauche, je crois. Ah oui, faut aller à gauche. Moi j'ai tout vu. Salut. Ils se font dans le décor. Oui, je t'avais dit qu'il y avait un truc qui brille devant. Le camouflage. Le camouflage. Allez, je m'en vais d'ici et je vais directement le chercher. Ah mais non, c'est vrai, il vient me voir là maintenant. Allô. C'est vrai que c'est dans la dernière partie que j'ai appuyé sur le bouton. Te voilà de nouveau devant moi. Les techniques que je vais t'enseigner dorénavant sont des bottes cachées, des profanes. Ces bottes que je vais t'enseigner ne sont pas sans danger pour celui qui les pratique. Désires-tu poursuivre malgré tout? J'ai pas trop le choix. Fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont pas été vains. Montre-moi ta maîtrise du Beris casque. Allez, défeurs ta lame et viens me croiser le fer. Tu ne peux me navrer. Aussi, ne retiens point tes coups. Alors, ne retiens point tes coups. Ne retiens point tes coups. Ne retiens point tes coups. Ah, oh, j'aurais voulu faire une roulade à la fin, mais j'ai pas réussi. Bien, tu n'as point retenu tes coups. Je vais donc te montrer la cinquième botte. Le coup éclair. Retiens bien ce nom. C'est pas un truc genre très bien. Le coup éclair. Je ne sais plus. Très bien, ouais, si, c'est très bien. Il existe en ce monde des êtres suffisamment savants en escrime qui se rient de la charge bouclier ou du coup à revers. Ah bah oui, tu m'étonnes. Face à des pareils adversaires, il te faudra trouver une technique que tu dois les surprendre. Et pour ce faire, il te faut le coup éclair. Garde cette belle rime, j'espère que tu es fier de moi. Tout d'abord, garde ta lame en son fourreau et ignore le bouton L, sa vigilance endormie. L'ennemi te laissera approcher en son giron. C'est là que d'un seul geste, avant que l'ennemi ne comprenne ta manœuvre, tu dégaines et tailles en pressant directement sur A. Vois, ta main n'a même pas esquissé un geste vers ton épée. C'est cela, le coup éclair. À toi, montre-moi si tu as compris. Okay. Très bien, du coup, il faut que tu ranges ton arme. Ah oh bah déjà. Ton coup éclair était satisfaisant. Mais n'oublie jamais que ce coup implique un risque certain pour celui qui l'exécute. Ne faites jamais ça en présence de chauves-souris. Ne faites jamais ça chez vous, les enfants. C'est dangereux. Mais ouais, non, mais cette attaque fait partie des plus puissantes du jeu. C'est pas la plus puissante, mais elle fait partie des plus puissantes. Non, la plus puissante, c'est le coup à revers, il a dit. Non, non, c'est la charge bouclier. Non, pas le brise-casque. Le brise-casque, pardon. Il me reste encore deux bottes à enseigner. Pratique sans cesse l'art du combat, affine toujours plus ta technique et tu seras prêt à apprendre une nouvelle botte. Merci. Nous nous reverrons. Oh bah, en même temps, si j'ai encore deux bottes à apprendre... Nous nous reverrons. Tiens, d'ailleurs, c'est la fin de la partie aussi. Déjà? C'est toujours la fin de la partie avec lui, tu vois. Oh mais oui. Il prend trop de temps à nous raconter sa vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, j'espère qu'il fera nuit. Bon, et à bientôt. C'est pas plus mal que je sois là le jour. D'ailleurs, oui, hein, mon porcinet, il est mort. Ouais, il est en train de se faire cuire là-bas, tu vois pas? Bon bah c'est pas grave. Au revoir tout le monde. Salut.